Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les TDP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour des petites revues de deux toiles terminées que j'avais eues en partenariat avec la société Fan Sales. Hein, voilà. Donc, c'était deux toiles de la compagnie Spring. Voilà, donc c'est des toiles que j'ai réalisées vraiment très rapidement. Par contre, j'ai mis un petit temps à faire le backstitch puisque c'est un peu plus complexe chez Spring que chez Joyce and Day. Voilà, donc on va procéder par toile. Alors, la première toile que j'avais commencé chez Spring, c'était celle-ci. C'était ce petit modèle-là, voilà. Et voici ce que ça donne. Je suis trop contente. Oh là là, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. J'aime beaucoup. Ouais. Donc, on peut voir que la toile, elle est pas... celle-ci, elle n'est pas surjetée. Donc, va falloir que je fasse un petit quelque chose pour que ça s'arrête de s'effilocher. Parce qu'on le voit, hein, que ça s'effiloche doucement. Mais voilà. Donc, je l'avais fait. J'avais testé avec le 1 brin et le 2 brins. Donc, le canard, je l'avais fait en 2 brins. Et c'était vraiment pas joli. Et en plus, il était difforme. Il n'était pas beau du tout. Donc, du coup, je suis venue découdre le canard et les petites bulles. Hein, parce que j'avais aussi fait en 2 brins. Et j'avais commencé par la tête du chat en 1 brin. Ainsi que tout le côté par ici. Et je trouvais que ça faisait beaucoup plus joli. Alors, du coup, j'ai défait ce que j'avais fait en 2 brins. Et j'ai retenté. Et c'est vrai que là, mon canard, il est déjà beaucoup plus normal. Voilà, on reconnaît de loin que c'est un canard. Voilà, donc moi, ce que je vous disais, justement, ce que je trouve un peu embêtant, en kikinant chez Spring, c'est que parfois, il faut piquer dans la case, au milieu de certaines cases. Et ça, moi, j'ai du mal. Voilà, je préfère maintenant, comme chez Joyce and Day, on pique entre les cases et il n'y a aucun souci. Alors que là, on peut le voir, notamment, notamment par ici, hein, des fois on passe au milieu de la case, voilà, on a des petits traits ouais, au milieu de la case, en penché ou en vertical comme ça. Mais ouais, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, j'ai pris le temps, hein, j'ai pris le temps et la patience de refaire correctement, de bien suivre. Et voilà, donc pour la première toile. Franchement, j'ai kiffé l'affaire. Alors, ce que j'ai kiffé notamment, c'est que déjà, la toile n'est pas blanche. Elle est dans le style écru et franchement, j'aime beaucoup. Ça change et ça fait bien ressortir justement le blanc brodé sur la toile. Franchement, c'est nickel. Et la toile, elle était souple. Voilà, elle n'était pas raide. Et franchement, c'était vraiment un petit projet bien sympathique à faire. Et voilà, quand c'est des petits projets comme ça, c'est sympa parce qu'on le fait rapidement et ça nous permet de passer à autre chose. Ou alors, entre deux grands projets, si on n'a pas envie de se prendre la tête, ben voilà, un petit projet comme ça, c'est tout à fait faisable. Donc, pour rappel, chez Spring, hein, donc ça arrive déjà dans les petites pochettes comme ça, avec... Et donc, on va voir par rapport à mon dessin et ce que j'ai fait. Enfin, à l'illustration et ce que j'ai fait. Je trouve que c'est pas mal ressemblant. Donc, ça va. Je m'en suis pas tiré trop mal. Donc, voilà pour le patron comment c'était. Hein. Donc, je vais vous afficher maintenant une photo de la toile terminée avant que je la mette au trempage pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Voilà, de ce que ça donne avant le trempage. Donc, le patron était comme ceci. J'avais encore une petite fiche à côté avec le tableau de bord. Voilà, donc j'avais mon tableau de bord imprimé sur la toile par ici, le tableau de bord ici et encore une petite fiche ici. Franchement, nickel. Au niveau des couleurs, ben, il me reste de tout. Hein. Franchement, ils n'ont pas été radins du tout dans les couleurs. Voilà, donc on avait 9 couleurs. Ben, vous voyez qu'il me reste les 9 couleurs. Voilà. Alors, pour certains, il me reste des brins entiers et pour d'autres, des morceaux. Voilà. Mais franchement, ouais, c'était vraiment très agréable à faire.
Voilà pour le premier projet terminé. Donc je vous le remontre, hein, voilà. Et on va passer donc au second, au second qui est celui-ci, qui vient donc également de la compagnie Fun Sales. Hein. Voilà, donc toujours un petit projet Spring, comme on peut le voir par ici. Hein. Et cette fois-ci, il s'agit du petit chat qui dort sur son petit coussin. Et tadam! Voilà ce que ça donne. Alors, celle-ci, elle est un petit peu plus claire que l'autre, la toile, mais on voit qu'elle n'est pas blanche. Hein, donc ça, c'est nickel, j'aime beaucoup. Je dirais un blanc cassé, celle-ci. Voilà, et celle-ci, elle est surjetée. Donc, je n'ai pas compris pourquoi l'autre n'était pas surjetée alors que celle-ci, oui. Voilà, mais encore une fois, de plus, vraiment très agréable à broder. Et alors, pour vous dire honnêtement, moi, là où j'ai été surprise, donc voilà, encore une fois, le dessin et ce que moi j'ai fait, hein, voilà. Alors aujourd'hui, ça ressort plutôt foncé à la caméra, mais si vous regardez bien, enfin, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer, non, j'arriverai pas à vous montrer. Ben, en fait, les fils à l'intérieur du coussin, c'est des sortes de roses, voilà. J'avais que un rouge et sinon le reste, c'était que des roses. Et si on regarde bien sur le dessin, ben, c'est des rouges, quoi, hein, c'est des différents rouges. Donc, bon, je sais pas si c'est une erreur ou si c'est comme ça, mais voilà ce que ça donne. Alors, j'ai notamment fait le backstitch, donc tout autour du chat, hein, comme j'ai pu, je me suis débrouillée comme j'ai pu. Il y avait le backstitch à faire, comme on peut voir sur l'image, tout autour du coussin, mais moi, je ne l'ai pas fait, parce que je trouvais que ça faisait pas forcément joli. Alors regardez, hein, parce qu'on passe dans les croix brodées et je trouve pas vraiment ça joli du tout. Donc du coup, j'ai décidé de pas le faire. Mais voilà ce que ça donne, quoi. C'est vraiment, encore une fois, un projet très, très agréable à broder. Hein. Et donc, toujours chez Spring, donc la petite pochette. Voilà. Alors, je vous remontre encore une fois le modèle qui est comme ceci. Et le patron était comme ceci. Donc, je vous mettrai également maintenant une photo de la toile terminée avant que je la trempe, avant que je fasse le lavage. Donc, on verra qu'il y a le tableau de bord par ici, hein, encore une fois, si je ne me trompe pas. Voilà. J'avais pas la petite cartonnette en plus, mais j'avais le tableau de bord ici, donc c'est amplement suffisant. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que là, le backstitch sur le patron, il apparaît, alors que sur ma toile, il n'apparaissait pas. On n'avait pas la DMC pour le backstitch, me semble-t-il. Hein, si je raconte pas de bêtises, mais voilà ce que ça donne. Et franchement, ouais, je suis vraiment pas déçue. Je suis plutôt contente de moi parce que c'est assez ressemblant. Hein. J'ai peut-être fauté par là, quelque part. J'ai pas fait exactement pareil. Mais bon, voilà, on voit que c'est un chat. Je me suis quand même appliquée du mieux que j'ai pu. Et donc, on va voir au niveau des restes de fil. Ben là, c'est encore une fois pareil. Il me reste vraiment de toutes les couleurs. Donc, on avait encore une fois 9 fils. Voilà, 9 fils. 9 couleurs, pardon. Je suis perturbée là. 9 couleurs et voilà ce qui me reste, quoi. Ouais, on voit que j'ai encore des brins entiers aussi, hein. Donc franchement, c'est cool. Je pense que je vais les garder, ces brins-là, parce que je compte bien faire d'autres petits projets dans ce style-là. Je trouve vraiment que c'est agréable à faire. Ça prend pas beaucoup de temps. Et ouais, les toiles Spring, c'est quelque chose, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Alors, c'est en 11 CT, donc vraiment pas prise de tête. Hein. C'est pas si petit que ça. Mais franchement, ouais, j'ai adoré réaliser ces deux projets-là. C'est que du bonheur. C'est un pur kiff. J'en ai encore une ou deux des petits projets dans ce style-là. Donc, du coup, je vais les réaliser prochainement pour pouvoir vous les montrer également. Donc, voilà ce que ça donne, mes deux petits projets terminés. Donc, je remercie encore une fois la société Fun Sales, hein, pour m'avoir permis de réaliser ces deux projets. Voilà, je suis très, très contente d'avoir eu ces deux toiles en collaboration avec eux.
Et je remercie Ryan, qui est la personne qui s'occupe des partenariats. Voilà. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!